Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir dans Open Sans Corée comment utiliser des petites applications qui se trouvent dans le dossier Interaction. Donc, où ça se trouve? Ici, on clique sur le volet. Sur la page d'accueil, vous avez le dossier Interaction. Vous cliquez dessus. Et on va étudier aujourd'hui ordre dans une phrase. Donc l'activité consiste à ordonner des phrases. Donc ici, par exemple, je vais prendre la main, hein, parce que si on prend la flèche, c'est pour déplacer cet objet. Donc je choisis la main et je vais recharger d'abord l'exercice et je vais prendre les phrases comme ceci ou les morceaux et je les déplace. Quand c'est réalisé, eh bien, vous voyez que ça change de couleur. Si on veut refaire l'exercice, on clique sur « Recharger ». Et vous voyez, on a un autre exemple de mélange de phrases, tout simplement. Si on veut modifier, admettons que je veuille modifier, alors, vous voyez, par exemple, ici, j'ai ce texte-là, « Valentin regarde de tous les côtés, Dimitri s'est évaporé hein. ». On va prendre ces phrases-là, qui sont extraites d'une méthode de lecture en CP. Je vais copier. Tout simplement ce texte. Je reviens ici, je vais faire modifier. Alors, dans modifier, je prends et je vais faire un CTRL-V pour coller mon texte, comme ceci. Je fais afficher et vous voyez qu'on a des phrases. Dimitri s'est évaporé pour le retrouver, etc. Et au fur et à mesure qu'on clique, hein, ça mélange les phrases. Vous voyez, on peut très rapidement construire un exercice. Hein, il faut retrouver l'ordre des phrases du dialogue. À bientôt pour un autre tuto.